Une classique tarte aux pommes sans sucre ni beurre ajouté. On commence par éplucher, vider et couper les pommes en fines tranches. Ensuite, on fonce la pâte, on la pique, puis on verse de la poudre d'amande qu'on va égaliser sur toute la surface. Ça sera la même chose avec de la compote, puis on va disposer nos tranches de pommes. On va tâcher de les disposer dans un sens pour le premier cercle, puis dans l'autre. Si vous vous retrouvez comme moi avec des tranches en trop, n'hésitez pas à les rajouter en serrant un peu plus le cercle. Direction le four, et voilà, il n'y a plus qu'à se servir une belle part. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit !